Salut mes chers abonnés, c'est MrGame38. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo compte rendu achat du mois de septembre. J'ai pas acheté beaucoup de choses, vous le verrez en vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Alors, vous voyez que mon décor a un peu changé. Là, il n'y a plus de jeux de ce côté-là. Il y a moins en moins de jeux, vous voyez pas en bas. Il y a un projet qui arrive pour le mois de novembre. Je vous sortirai une vidéo la semaine prochaine ou dans 15 jours pour vous expliquer pourquoi le projet et pourquoi je vais mettre ma chaîne en pause juste pendant 15 jours, 3 semaines. Ma chaîne reviendra début novembre. Je vous expliquerai tout ça. Voilà. On va arrêter là. Je sais plus quoi dire sur le coup. Mais vous verrez bien que ma chaîne va bouger. Et puis, voilà tout. Alors, on va commencer par Crescendo. Hein. Je vais passer début du mois et puis jusqu'à maintenant. Alors, mon premier achat du mois du mois de septembre, j'ai pris le Capitaine Tsubasa. J'avais préco pour la sortie fin août. Au bout du compte, comme je n'avais pas ma paye, j'ai dû le prendre pour le 5. Et au bout du compte, je suis arrivé. Micromania, il me disait que comme je n'avais pas pris la de sa sortie, j'ai pas eu les bonus. Non, c'est pas grave, c'était un maillot de Micromania, je crois, je m'en rappelle plus. Vous me direz en commentaire si ça vous est déjà arrivé, mais ça m'a fait péter les goodies. Mais c'est pas grave. Alors pour le moment, je suis à 2 heures de jeu. J'ai fait beaucoup de matchs d'exhibition. Et j'ai commencé l'aventure de Capitaine Tsubasa. On revit tous les gros matchs de l'animé. Puis le jeu a pas mal de défauts, pas mal de qualités. Mais ce jeu, il est fait vraiment pour les fanboys de la série Captain Tsubasa. Pour les joueurs novices qui veulent découvrir la série, ok, ils peuvent faire le jeu. Mais pour vraiment les novices, faites un FIFA 21 ou un PS21, vous serez mieux et vous aurez plus ascension de jeu de foot. Que là, c'est plutôt foot animé, un peu à Zuma Eleven, qui est plutôt aussi pour les fans de la série. Je vous ferai une vidéo sur le jeu quand j'aurai pu jouer et vous aurez mes tenants et mes aboutissants parce qu'il y a des gens qui me l'ont demandé quand j'ai fait le live de... Pas le live, le gameplay plutôt de Capitaine Tsubasa. Ensuite, j'ai cherché des jeux Saturn sur Amazon. Je voulais savoir combien ils faisaient les prix par rapport à eBay et par rapport à d'autres sites. Et j'ai trouvé le Chaos Control à 20 euros plus 2 euros frais de port, ça m'a fait à 22 euros. C'est une boutique du 60 qui vend ses jeux par la plateforme Amazon. Et en gros, ce jeu, il est. Le groupe Sega Saturn sur Facebook m'ont dit que c'était pas un blister d'origine. Et il y en a d'autres qui m'ont dit oui. On m'a dit que c'était plutôt. En France, on a eu plutôt des blisters rigides. Et là, c'est un blister un peu sous cellophane, on va dire. Mais il y a bien la languette de présente là. Et vous voyez qu'il y a bien le blister là qui est un peu défoncé par la vie. Mais c'est pas grave, je crois que c'est un jeu qui doit avoir bien une vingtaine d'années. C'est un shoot'em up 3D comme elle savait faire la Saturne. On m'a dit sur ce même groupe que le jeu c'était un jeu de daube. Moi j'ai regardé quelques gameplays, oui je pense que je leur donne raison. Mais après c'est un jeu qui a marqué quand même la console. Si les gens disent que c'est une daube, c'est que voilà. Le jeu se termine je crois en 20 minutes. Moi je vais peut-être pas le débisser, je vais peut-être le laisser comme ça. Et puis si j'ai envie de jouer, je pense que je jouerai sur émulateur. Ensuite, je suis passé par mon cache habituel, mon cache préféré, où l'équipe elle est talentueuse. C'est pratiquement venu des amis, toute l'équipe, ils me connaissent maintenant. C'est le Affaires et Chirol dans l'Isère. Si vous avez envie d'y passer, passez-y. Vous pouvez commander aussi via affaires.fr et ils vous emballent par Chronopost. Voilà. Je suis allé pour une balade. Et j'ai trouvé le super Dragon Ball Z que j'avais déjà, que mon pote Geek & Fun m'avait échangé. Mais lui, il était à un état douteux, mais le CD marchait très bien, mais la boîte était un peu. Mais bon, normal, il m'avait dit que lui, il avait eu envie de grogner. Et moi, en gros, à la base, il était à 19 euros. Et comme il m'a dit, je t'aime bien, et en plus, il était en état complet, voilà. Il m'a fait à
14 euros. Voilà, si le focus veut bien se faire, voilà. Je l'ai eu à 14 euros au lieu de 19, parce que voilà. Parce qu'il me connaît, et puis le jeu, ça faisait longtemps qu'il avait dans les bacs, et puis personne ne le prenait. Parce que c'est vrai que c'est pas le DBZ le plus marquant sur PS2. On va plus se diriger vers un Budokai ou les Tekkenchi. Mais par exemple, lui, pour moi, il est meilleur que Infinity Ward, par exemple. Vous voyez. Mais franchement, c'est un bon DB comme sur PS2. Et puis la version de Geek & Fun, elle est là. Il me semble qu'elle était pas complète. Voilà, il ne me l'avait pas enlevé complet, mais ça je le savais déjà. Et puis moi, il était un peu déchiré là. Je vais le garder quand même. On sait jamais. Voilà. Mais encore merci à Geek & Fun pour. À l'époque, on avait fait cet échange. Ensuite, je me suis arrêté pareil aux Affairs, mais de Saint-Martin-l'Hère. Et je suis allé d'abord en magasin de bricolage Casto pour acheter quelques trucs et comme le cash il est pas très loin, je me suis arrêté et j'ai dépensé 40 euros. Je trouve que c'est très bien. Alors le tout premier, comme je fais, je pense que je vais me lancer officiellement dans la foussette Dreamcast, mais pour moi je veux pas en dire plus, je veux vraiment voir si je peux y arriver avec le temps. Alors j'ai trouvé le Headhunter, je crois que c'est un des premiers jeux sortis sur la Dreamcast. Je l'ai payé 10 euros. Il y a bien le 2-10 de présent. Il y a bien la notice. Mais il y a les charnières là qui sont cassées comme d'habitude. Mais après, voilà, ça fait. Voilà, le jeu est nickel. Je ne l'ai pas encore testé. Je pense que je testerai un jour. C'est de l'infiltration, il me semble. TPS infiltration plutôt. Voilà. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu. Qui a pratiquement 20 ans, bien sûr. Après, j'ai pris le NFS Carbone. Il me semble qu'il y a un fourreau avec. Vous me direz en commentaire. Je vais payer 3 euros. Il y a bien le jeu et le DVD bonus à l'intérieur. En plus, il est complet. Voilà, pour 3 euros, j'aime bien les NFS. Moi, j'ai préféré le Most Wanted, mais le Carbone, il a des bonnes critiques. Ensuite. J'ai pris un jeu qu'on m'a beaucoup parlé, le Total Overdose. On m'a dit que c'était un jeu barré dans tous les sens. Tu tires un peu à la humour Serious Sam pour les gens qui connaissent. Il était à 3 euros plutôt. En plus, il est complet. Quoi dire plus? Voilà, je le testerai plus. Je crois que c'est un TPS. Ensuite, ah oui, pour vous dire, il y avait l'offre 4 jeux et un offert et voilà, j'en ai payé 3 et j'en avais un de gratuit. Alors j'ai pris, en tant que jeu de fan de catch, je possède le premier, le Legend of Wasting 1, que j'ai pas beaucoup aimé, mais j'ai pris le 2, on verra s'il efface les lacunes du premier, il est passé à 7 euros. Complet, quoi dire plus, je pense que c'est un collectionneur parce que les jeux ils sont super bien conservés. Après, en tant que fan de Versus Fighting, ça faisait longtemps que je n'avais pas rentré de coffre hein, et j'ai rentré le coffre Neo Wave sur PS2. Celui-là, je ne le connaissais pas à la base, je savais pas qui était sorti sur PS2, j'ai payé 10 euros. Complet avec une notice qui est vraiment sympa. Il y a la liste des coûts comme il savait faire Seika à l'époque. Excusez-moi, j'ai eu un coup de téléphone, j'ai dû répondre. Alors on va enchaîner sur le coffre. Alors c'est un coffre en 3D. C'est un V3 V3 V3. En gros, on choisit une équipe et on se bat. Voilà pour les gens qui connaissent pas la base des coffres. Voilà, mais c'est un coffre. Qui a l'air très bien comme d'habitude sur PS3. Bon, à part quelques exceptions. Après, pour enchaîner, j'ai pris le City Hunter, Nicky Larson, Ryo Saiba pour la version originale. Je l'ai payé 3 euros. C'est la saison 1, la volume 4. Il y a quelques épisodes comme ça. Moi j'aime bien. J'adore l'humour de Nicky Larson. Et merci, Monsieur Ojo, d'avoir créé cet univers qui est génial. Et pour enchaîner,
Alors j'ai trouvé des petits UMD à 1 € pièce dans une boîte. Je sais pas, peut-être que la boîte était défoncée, ils ont dû jeter, ils ont vendu plutôt l'UMD tout seul. Alors le premier UMD que j'ai trouvé, ouais, bon, faut pas se fier au prix là. Hein. Alors pour commencer, j'ai pris le Miami Vice, le jeu, à 1 €. Voilà, ça mange pas de pain. L'UMD a l'air pas rayé, alors je l'essaierai plus tard. Après, j'ai pris le buzz le plus malin des Français que je possède déjà en complet, notice UMD. Et là, j'ai voulu le prendre en loose en cas que mon UMD est défectueux. Voilà, pour 1 €, ça mange pas de pain. Ensuite, j'ai pris quelques jeux DS. Alors, j'ai pris le English Training. Comme ma femme, elle a lui se mettre à l'anglais. Voilà, 1 €. Puis, j'ai pris le English Dictionnaire, 1 € aussi. Voilà, ça mange pas de pain. Puis j'avais, je sais plus où j'ai mis. Alors, j'avais acheté l'UMD, 2 UMD de GTA sur PSP. Et en vide-grenier, j'en avais un que j'avais trouvé, il était défectueux. Et en gros, je me suis retrouvé sans boîte. Et l'autre, j'avais eu toujours en vide-grenier, j'avais une dame qui m'avait donné la boîte parce que le jeu, elle avait plu. Et en gros, j'ai trouvé les 2 GTA le même à 1 € dans le bac. J'ai les pris, comme ça j'ai pu compléter mes 2 boîtes. Alors, c'est pas la version Platinum, mais c'est pas grave. Bon, là, il n'y a pas la notice. Et mon deuxième, lui, il est complet avec l'UMD. Voilà, j'arrive à me grader mes 2 versions. Et pour terminer les achats, il y a 3 jours, je suis allé à... Non, non, c'était hier, excusez-moi, c'était hier. Je suis passé à ma ressourcerie, comme d'habitude. Pas la même cette fois-ci, j'en ai 3. Là, je suis passé à celle-là où je vais moins, comme ils sont ouverts que 2 fois par semaine. Ils sont ouverts le mardi et jeudi. L'autre, elle est ouverte toute la semaine. Et l'autre, pareil, elle est ouverte que 2 jours par semaine aussi. Alors, j'ai trouvé... Pour commencer, ça c'est en cas que je pète des boîtes de Xbox One. J'ai pris les 2 FIFA pour 1 €. Voilà, ça mange pas de pain. Je vais pas vous faire l'histoire sur FIFA. Hein. Puis j'ai pris un petit lot de jeux PSP qui m'a fait 10 €, 10, ouais, 9 € le tout. Puis les deux. Non, attends. Les deux FIFA à 1 €. Et ça, ouais, à peu près pour. Ouais, 8 €, ouais. 8 € le lot de jeux PSP. Franchement, je suis arrivé, j'ai tous pris. Hein. Vous me direz, ils sont tous complets. Alors, pour commencer, j'ai pris le ATV. J'aime bien les jeux ATV, c'est fun, un peu comme pur, si on peut dire. Bon, la boîte est un peu cassée là, mais vous voyez, l'UMD est bon et il est complet. Ouais, parce que les UMD, je les ai vérifiés avant de les acheter. Après, il y avait un SmackDown Raw 2007. Voilà. Complet. Ça, c'est un bon... Bon, c'est des jeux moyens de 4, je trouve. Hein. Mais bon. Après, j'ai pris le Pursuit Force. On m'a dit qu'il était fun, ce jeu. On peut prendre tous les véhicules de tout genre. Voilà. Complet, 1 €. Vous voyez. Après, je vais vous mettre le plus beau pour la fin. Après, j'ai pris le Frackhoot. C'est un jeu de sport d'hiver. Hein. Pareil, 1 €. Je le vois pas souvent, celui-là. Voilà. Pour les nostalgiques comme moi qui ont connu Worms sur PS1, j'ai trouvé le Open Warfare sur PSP. Celui-là, je le vois pratiquement pas. Et franchement, je vais même faire des barres de rire. J'adore Worms. C'est classique. Voilà, 1 €. Pour ma full set versus hacking, mais bon, je l'ai déjà, mais je l'ai en version essentielle. Là, je l'aurai en version normale. Le Tekken Dark Resurrection, c'est un bon jeu, mais moi, je l'ai beaucoup joué sur la version dématérielle de la PS3 à l'époque. C'était plus grand et je pense pas que la PSP était sortie à cette époque-là. Mais franchement, c'est bon de jouer sur PSP au jeu de versus hacking, mais moi, j'ai un peu du mal. Mais bon, c'est du Tekken, c'est du classique, voilà. Puis pour terminer, j'ai trouvé le Metal Gear Solid portable OPS.
Je le connais pas. Bon, je connais Sony Snake, hein, bien sûr, hein, qui le connaît pas. Là, c'est de la free traction et action portable en ligne. Voilà. Pour 1 €. Ça mange pas de pain. Complet. Voilà. Quoi dire de plus? Celui-là, je crois que à lui tout seul, il fait 5-6 € en cash quand tu le vois. Voilà. En gros, ça me fait prix du lot, hein, et voilà. Je pouvais pas. Pas laisser de la PSP comme ça. En gros, ça va me faire là une trentaine de titres de jeux PSP. Voilà tout. Je fais un peu cette vidéo à l'arrache. Voilà, hein. N'oubliez pas de commenter, abonnez-vous, faites que qu'est-ce que vous voulez. Je suis content de ces années passées dans cette pièce-là. Il y aura du changement, inquiétez-vous pas. Allez, ciao. A plus!